75e épisode de ma série sur Horizon Craft. Et aujourd'hui les amis, je suis très excité parce que ben comme vous avez vu dans l'épisode d'avant, je viens juste de faire un pillage. Donc je fais la vidéo à la suite de l'autre, puis ensuite je vais attendre quelques jours, vous voyez. C'est juste pour que je puisse vous montrer en fait que tout ce que j'ai réussi à avoir après un débrief. Donc comme ça, ben vous savez un peu qu'est-ce qu'on a eu dans le pillage, qu'est-ce que si c'était bien ou pas bien. Donc au final je pense qu'on a eu 3 full P3. Donc c'est quand même pas si mal, avec 3 sharpness, 3, et puis aussi une avec du fire aspect, 6 punch sheet. Je pense que ceux-là on les a eu dans le kit Mike que j'avais fait, sur ça compte pas vraiment, mais il y en avait 2 je pense qui étaient dans le coffre, je suis pas sûr. On a eu aussi 20 diamants, et puis là je vais vendre un peu toute l'affaire que j'ai et tous les autres trucs qui se vendent. Je voulais aussi garder des ingrédients en potion dans mon inventaire, comme ça, dans mon under chest. Comme ça, si je me fais piller, si vous vous souvenez le petit home coffre qu'on avait fait, si je me le fais piller, ben au moins je pourrais toujours me faire une machine à potion. C'est pour ça que j'ai aussi pris des hoopers. Et comme ça, tu sais, je serais sûr. Donc là, je vais prendre tous les trucs qui se vendent. Je sais pas comment on dit ça. Excusez-moi les amis, je suis pas tellement intelligent. Donc je prends tous les trucs qu'on peut vendre au shop. Et puis comme ça, je vais me faire un peu d'argent. Je vais amener ça. Bon, comme ça, juste garder un stack de glowstone pour mettre dans mon under chest. Un P2, on a eu aussi des armures P2, des potions de force. Des potions de force qui étaient super intéressantes à avoir. Parce que, comme je l'ai dit, je viens juste de commencer le serveur, donc j'ai pas grand-chose. Hein. Virus Nether, c'est pour les vendre, les amis. Je pense qu'on peut peut-être vendre les carottes, ou je vais prendre les carottes. Et puis, c'est tout. Ah, je vais prendre ça aussi. Important. Sinon ici on a du P2, P1, P2, P1, P2. Je vais tout quand même prendre tout ça hein, les amis, inquiétez-vous pas. C'est juste que je vais prendre ça pour faire la replantation. Donc je vais aller au spawn. Je vais aller vendre tout ça. C'est juste pour me faire un peu d'argent au début vu que j'ai 0 d'argent. J'ai 30 écus. Donc voilà. Donc on va mettre ça là, plus ça là. On aura tout ça. Et puis le dernier truc que je vais garder, c'était la Soul Sense. Donc là j'ai vraiment... je pourrais fusionner ça, mais il faudrait des niveaux. Il faudrait XP. Je pourrais trouver peut-être... J'ai-tu un kit XP? Non, j'ai pas de kit XP, donc il n'y a pas de kit XP, je pense pas sur ce serveur-là. Donc voilà, je sais pas c'est où les shops... Ah, c'est là-bas, j'avais oublié. Non, il faut. Après ça, je vais aller me faire un petit skybase, je vais faire une ellipse, je vais vous montrer après le stuff finalement que j'aurais gardé, le stuff que j'aurais laissé à Ju quelque chose. Donc ici, c'est pour buy, on fait clic comme ça, you sold. Ok, ouais, c'est vrai, c'est faut taper et c'est clic droit pour acheter. Ok, ok. Ok, super, il m'en faut 64, j'en ai pas 64, super. Et puis les virus du Nether, on peut-tu les vendre? Je sais plus si on peut les vendre ou pas. Je pense pas qu'on peut les vendre. On peut vendre la gunpowder. Ok, je me souviens plus c'est où les amis. Avant je connaissais le shop par cœur. Ça fait un peu pitié je trouve, mais maintenant je le sais plus. Ah ok. Donc là on peut vendre. Bon, ça valait pas la peine de vendre les carottes en vrai, mais bon. J'en ai quand même un stack encore que je pourrais revendre. Ensuite, émeraude, ça se vend super cher, comme on peut le voir. 4 émeraudes pour 500. Fuck. Des books. Ok, des snowballs et du play. Ok, d'accord. Et puis, ah, c'est ça que je voulais. Ça se vend super bien en vrai. Parce que ça passe super rapidement, donc au final, on est gagnant au final. Les blazes, j'aurais pu les vendre. La... Ok, là, monsieur, bon, tout se vend. C'est cool. On a ça, j'ai encore, j'ai ma pioche, efficacité, etc. Donc voilà les amis, c'est tout ce que je vais vous montrer, on se retrouve un peu plus tard, à tout de suite. What's up, gens d'internet, on se reprend. Donc aujourd'hui mes amis, je suis plutôt content parce qu'on a avancé beaucoup. Hier soir j'ai fait un stream, attends, non, hier matin j'ai fait un stream. Et on était environ 50-60 personnes, je voudrais remercier les personnes qui sont venues sur le stream, ça fait super plaisir, j'ai parlé avec vous, on a juste Horizon, on a fait le spawner Iron Golem qui produit quand même un peu de fer. Ce côté-là moins parce qu'en fait toutes les hoopers ramènent vers celui-là, faudrait que je rende les hoopers égales, mais bon. Pour l'instant ça dérange pas tellement, on a du fer, on va vendre ce qu'on a à vendre, je vais faire ça comme ça. Boum, je vais aller vendre tout ça. Pourquoi j'ai de l'obsidienne sur moi, c'est très simple parce qu'en ce moment... je vais récolter l'obsidienne pour justement avoir la possibilité de commencer une base claim. Parce que là on a fait juste cette base là vite fait pour pouvoir avoir une petite base comment on appelle ça, comment vous dites, genre, ben c'est pour pouvoir être pas raidable, genre impiable quoi. Ça prend beaucoup d'obsidienne etc, et puis on en a pas du tout.
Donc, qu'est-ce que j'ai décidé de faire, c'est que j'allais... Oh, il y avait des coffres là, je sais pas pourquoi j'en ai fait des nouveaux. Bon, c'est pas tellement grave. Donc, c'est ça, je me suis dit que ça aurait pu... Ça pourrait être cool de... récolter de l'obsidienne, faire une farm, avoir des verrues du Nether, tout faire pour avoir de l'argent. Des machines à potions. Puis tout ce qu'on a besoin, dans le fond, avant de faire une grosse base. Donc, quand on aura un double coffre ou plusieurs obsidiennes. D'ailleurs, je vais acheter votre obsidienne. Si vous avez de l'obsidienne, ben... je vais vous l'acheter, donc j'ai 10 000 écus, un gros merci à ceux qui m'en ont donné. Donc je sais qu'il y a Bichun, par en bas Bichun, comme ça, par en bas, quelque chose du genre, m'a donné beaucoup d'argent. Je pense qu'il y en a d'autres qui m'en ont donné, mais j'étais pas connecté, je l'ai pas vu. Donc un gros merci à ceux qui me donnent l'argent. Je voulais aussi vous poser une petite question. Est-ce que vous vous souvenez des épisodes cadeaux qu'on faisait? Donc en gros, je filmais plein de séquences de gens qui me donnaient des cadeaux, puis je mettais tout ça dans un épisode, genre à la fin de la... à la fin de la semaine, fin du mois, peu importe la date que je décide de le mettre. Et puis en gros, tous les gens qui m'ont fait des cadeaux peuvent voir leurs cadeaux dans l'épisode et tout. Est-ce que vous aimeriez que je recommence ce système-là, qu'on refasse ça, ou vous préférez juste que j'en intègre quelques-uns à chacun des épisodes, à la fin des épisodes par exemple, ou des trucs comme ça? Faudrait me le dire dans les commentaires. Ça serait cool de me le dire. Donc, je voulais aussi vous montrer une petite astuce que, en fait, c'est pas moi qui ai découvert, mais c'est Ninja Slayer. Donc, en gros, je vous conseille de faire cette commande-là. Donc, c'est FPM 7 ombre Alino. Donc, comme ça, aucun allié, aucune personne pourra se téléporter à votre effort, comme vous voyez. Donc, le leader, les membres, oui. Les recrues, non. Donc là, vous pouvez, exemple, si vous voulez, vous faites ce que vous voulez, là. Mais, exemple, moi, les recrues, ils peuvent pas. OK? Les membres, ils peuvent, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, les recrues pourront pas aller au effondre. Les ennemis non plus, les neutrons non plus, les trusts non plus, et les hordes non plus. Donc, faut mettre tout ça à haut, parce que par... à no, parce que par défaut, c'est à yes. Donc, faut vraiment le mettre par défaut, sinon vous allez vous faire niquer par vos alliés et tout. Et c'est pas drôle, quoi. Enfin, c'est juste un petit conseil, un petit tip, si on peut dire ça ici. Donc, mettez-le à no. Puis vous pouvez aussi jouer avec les F-perm, il y a d'autres perms que vous pouvez vous allez pouvoir voir là. Il y a pas mal de permissions, faut jouer avec les permissions pour que vous puissiez voir. Donc pour build, pour ouvrir les doors, les leviers, etc. Il y a plusieurs trucs que vous pouvez faire pour votre faction. Ça peut être assez intéressant si vous êtes une faction open, dans le sens que vous pouvez inviter un peu n'importe qui, vous voyez ce que je veux dire? Donc je vais tasser un peu le micro par ici. Et c'est pas mal ça que je voulais vous dire. Donc maintenant, je vais faire un petit base tour. Donc je vais faire mon... J'ai-tu mon kit maître? J'ai mon kit maître dans 2 heures, ok. Donc je voulais faire un base tour, mais ça sert un peu à rien, comme je l'ai dit, il n'y a pas grand chose à vous montrer. Je vous ai déjà un peu expliqué le principe, donc d'avoir une farm pour faire de l'argent, potion pour aller pp, virus pour se faire de l'argent aussi. Et ça va être pas mal ça le but de cette petite base là, c'est de faire de l'argent au début. Puis ensuite quand on aura une plus grosse base ou qu'on aura plus d'obsidienne, on pourra faire un truc propre, grand, avec ben, comme on avait fait à l'époque. Si vous vous souvenez, genre chacun avec ses chambres et tout, des coffres sécures et tout, blablabla, quoi. Le classique d'Horizon Craft, quoi. Et puis, ça fait plaisir, les amis, parce que j'ai retrouvé max de vieilles personnes qui jouaient avec eux son ancienne version d'Horizon. Ça fait super plaisir. J'adore retrouver les personnes que je jouais avant, des gens que j'avais pas parlé depuis super longtemps. Ça fait toujours plaisir. Je parle nécessairement de Ninja Slayer, d'autres gens aussi que j'avais rencontré, qui m'ont sont venus sur TS d'Horizon, j'ai été parler vite fait et tout. Et je vous invite, vous les amis, si vous êtes nouveau sur ma chaîne ou que vous êtes juste un nouvel abonné qui n'a pas connu l'ancienne époque d'Horizon Craft, je vous invite à aller revoir les premiers épisodes, du premier jusqu'au dernier. Vous en avez au moins pour une semaine à écouter toutes les vidéos. Il y en a vraiment énormément, 74 juste avant celle-ci. Bon, vous avez sûrement vu dernièrement la 73, donc. What the fuck? C'est quoi ça? Est-ce qu'on se fait troll? Il y a quelqu'un au-dessus. What the fuck? Attendez, j'ai besoin d'une pioche. C'était quoi ça? Ok, non. Non, non, non. Il y a un grand golem, j'ai eu peur que ce soit quelqu'un. Ça avait l'air d'être par ici, man. What the fuck?
Ah, c'est Ninja Slayer, man. Je savais. Putain, ce bâtard. Donc, je disais, qu'est-ce que je disais avant que je me fasse troller? Bon, il faut recharger ma femme parce qu'on a trouvé ma femme, rip. Qu'est-ce que je disais? Fuck, c'est quoi je disais juste avant? Je me souviens plus. Je parlais de quoi déjà? Ah, je me souviens plus. Bon, c'est pas grave. Ouais, je disais que j'ai retrouvé plein de gens de personnes. Puis si vous êtes nouveau, ben allez voir l'épisode, vous en avez à avoir pour masse de temps. Vous allez pouvoir vous amuser, etc. Donc je vais pas laisser mon obsidienne là. Je vais l'amener dans une autre place. Bon, je vais pas le changer tout de suite. Mais bon. Je vais aller au spawn. Vendre tout ça. Donc, le shop il est par là, si je m'abuse. Non, l'inverse. L'inverse! Donc voilà, au moins je pourrais. Non, ça c'est le PVP! Ouais, je suis pas dans le PVP! C'était l'autre côté, je crois. Je suis tout perdu, man. Oh, ok. Bon, bah super, à tout de suite. Ouais, désolé. Bon, j'ai fait une connerie. Donc, je vais aller là-bas, le shop est là, j'ai trouvé le shop, j'ai agrandi mes chunks. Celui-là, je sais pas si c'est Spawn lui qui me trollait ou c'est Ninja. T'as trouvé ma base. On va fucking vendre ça. You sold it. Putain, le bâtard! Attends, je vais vous donner ça, les gars. Prenez ça. Voilà. Et là, je vais aller vendre le fer. T'inquiète. Putain, j'ai flippé, mec. J'étais sûr qu'il avait trouvé ma base et tout. J'étais genre, faut que je prenne mon obsidienne. Vite, vite, vite. c'est le truc le plus précieux que j'ai. Comme j'ai dit, je cherche fucking d'obsidienne. Si vous en avez, les amis, comme j'ai dit, je veux bien vous l'acheter. Donc, comme à la bonne époque, il fallait taper le panneau. Puis j'ai un peu d'or, mais bon. On va le vendre l'or, tiens. On va vendre l'or. Voilà, voilà, voilà. Je vais vous donner chacun une pomme, vu que vous êtes gentils. Je vais faire un petit flashback. Donc, on n'a pas à s'inquiéter de ça. Ça, c'est bien. On a une petite pioche ici. On a de l'obsidienne. Je vais la relaisser là, finalement. Donc, voilà. Ninja, comme je savais que c'était un copain gentil. Donc, n'inquiétez-vous pas avec ça. Je vais juste re-remplir le coffre. Voilà. Ça m'a fait paniquer. Je voulais vider pour mettre les autres trucs. Donc c'est tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui les amis, juste vous montrer ma base un peu vite fait, les plans qu'on a, ben, la petite base qu'on a. Dans le prochain épisode je vais essayer de faire un petit PvP, je vais même essayer d'aller faire un 1v1 contre le gars qui voulait PvP là, Kaouki, pour l'épisode suivant. Attends. Puis on va faire un 1v1 puis je vais vous montrer ça dans le prochain épisode. Donc restez à l'écoute les amis, on se retrouve très bientôt. Comme je vous ai dit, allez voir les épisodes du début si ça vous intéresse. Vous allez voir le changement de ma voix, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir. Et on se retrouve jeudi ou mercredi ou je sais pas quel jour. Je pense vendredi je vais en poster un nouvel épisode. So voilà les amis, je vous aime, c'est un grand bisou, bonne fin de journée.